بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله له نقبو دكزرسيس بور لو بريباراسيون دو لولمبياد دي مات دو لولمبياد ناسيونال بور لي كلاس 4 أ إس. دونك عندنا لو بريمي اكزرسيس سوا X, Y et Z des réels strictement positifs. Montrer que l'inverse de X plus l'inverse de Y est supérieur ou égal 4 sur X plus Y. Donc, ça vous n'avez pas de solution. Nous avons dit que l'Olympiade ou les rallyes maths, c'est un message qui est un peu de ذكاء ou de سرعة البديهية. عند الإنسان قدرته للملاحظة. إذا السابق رجاج يبدأ حل الإكزرسيس يالتو أولا تود الفكرة واضحة له ودي يعرف اللي يلود له شنو اللي يعدل شنو ما هو لا يمشي عشان الخطوات يقد يجبر قد ما يجبر أه. لا بدو أدهماتية دي ريزونيما ماتماتيك ما لا بدو أدهماتية دي ريزونيما لوجيك استدلال منطقي ورياضي ينفهم. دونك هون ريبونس شوف الطريقه اللي نفكروا بها هي كان عدو هو قال لنا لينفيرس دي اكس بس لينفيرس دي يكريك لينفيرس دي اكس بس لينفيرس دي يكريك قدر نكتبو سو فورم اللي هو يكريك بليس اكس سير اكس فا يكريك. دونك هذه عدو ان كومبارازون معناها مقارنه مع 4 سير اكس بليس يكريك معناها نين عدلت هاي الانيغاليتي وضاح لي اللي ندور شنو يا تن دومونت عن y بلس x فاي y بلس x او كاري اللي هي y بلس x او كاري انا سبري او ايغال 4xy معناها كيف ندومونت عن y بلس x تو او كاري موين 4xy انا بوزيتيف. دونك هذا هو الطريقه اللي لاهي نحل بها الاكزيس معناته واضح لي اللي ندور نجبر. دونك x موين y تو او كاري سا نمبر بوزيتيف سوبيريور او ايغال ا زيرو دونك ايغال اكس او كاري موين دي اكس ايغريك بليس ايغريك او كاري سوبيريور او ايغال ا زيرو. دونك اكس او كاري بليس دي اكس ايغريك سالي دي اكس ايغريك دونك اون فاري ترانشي 4 اكس ايغريك يعني نجيبو موين دي اكس ايغريك اللي نقولو عندنا موين 4 اكس ايغريك دونك بليس ايغريك او كاري موين 4 اكس ايغريك دونك هاي سي لي ميم اكسبريسيون سي بري ايغال ا زيرو دونك هاي اكس بليس ايغريك تو او كاري سي بري ايغال 4 اكس ايغريك. دونك سي اون ديفيز توت بارتي ديغاليتي بار x plus y fois xy 1 sur x plus y fois xy fois x plus y tout au carré supérieur ou égal parce que les nombres positifs on va conserver l'ordre sur x plus y fois xy donc égal x plus y facteur x plus y sur x plus y facteur xy supérieur ou égal 4xy sur x plus y facteur xy. Donc on va simplifier x plus y avec x plus y et xy avec xy. Donc on trouve x plus y sur xy supérieur ou égal 4 sur x plus y. Alors l'indor on démontre. Donc ça implique que x sur xy plus y sur x fois y c'est plus égal 4 sur x plus y. Donc
Si on substitue x avec x, on va trouver l'inverse de y plus l'inverse y avec y. Donc l'inverse de x, c'est pour égal 4 sur x plus y. Voilà les résultats de cette inégalité. Deuxième question. Déduire معناها استنتج معناها نجبروه من السابق. Déduire que l'inverse de x plus l'inverse de y plus l'inverse de z c'est pré égal 2 sur x plus y plus 2 sur y plus z plus 2 sur z plus x. Donc, d'après les résultats précédents, si on multiplie par, divisé par d toutes parties d'égalité, on va trouver 1 sur dy plus 1 sur dx. C'est pour égal 4 sur d, c'est 2 sur x plus y. Donc, il est la première inégalité. Donc, pour y et z, même chose. 1 sur d, dy, plus 1 sur dz, c'est pour égal 2 sur y plus z. La deuxième inégalité. Même chose pour z et x. Donc, 1 sur dx dz plus 1 sur dx c'est pour égal d sur z plus x. Ça implique que la somme des premières parties des trois inégalités c'est pour égal la somme des deuxième partie des trois la somme des trois inégalité. Donc, on a 1 sur dy et 1 sur dy. Donc, égale 2 sur dy. Plus l'inverse de dx plus l'inverse de dx. Donc, égale 2 sur dx plus l'inverse de dz plus l'inverse de dz. Donc, égale 2 sur dz. C'est pair ou égal la somme des inégalités. Donc, 2 sur x plus y plus d sur y plus z plus d sur z plus x. Donc, d sur d égale 1. Donc, l'inverse de y plus l'inverse de x plus l'inverse de z, c'est pair. C'est pair égal d sur x plus y plus d sur y plus z plus d sur z plus x. Alors, l'inverse de x. L'inverse de x plus l'inverse de y plus l'inverse de z c'est pour égal d sur x plus y plus d sur y plus z plus d sur z plus x. Waouh, l'indoron de montrou. Donc, voilà les résultats de cette inégalité. On a les carrés ci-dessous. Partagé par quatre, son surface est partagée par quatre parties. Le premier 20 cm, deuxième 16 cm au carré. Et le troisième 32 cm au carré. Et le quatrième inconnu. Donc on va calculer les surfaces manquantes. Donc pour résoudre ce problème, on va utiliser une propriété suivante. ABC est un triangle. I est le milieu de BC.
Les surfaces du triangle ABI, S1. Donc S1 égale base BI, fois hauteur, voilà la hauteur. Sur 2. Et surface S2 des triangles AIC égale les bases IC fois hauteur, on a la même hauteur sur 2. Donc les deux côtés BI et IC sont égaux, car I est le milieu de BC. Donc S1 égale ST. Car BI égale IC, on a les mêmes hauteurs. Donc on va appliquer cette propriété dans les figures pour trouver les surfaces manquantes. Si I est le milieu du segment, donc ABI, surface des triangles ABI, égale la surface des triangles AIC. Donc on va appliquer les propriétés précédentes. نطبقوا لي بروبريتي اللي شرحنا. دونك عندنا تريانجل، هنا تريانجل سي تريانجل، دونك ici c'est le milieu. دونك surface S1 égale surface S1. On a ce triangle. Donc ici c'est le milieu. Donc cette surface égale cette surface, des surfaces égaux. Et cette surface S3 égale les surfaces S3. Et ici S4 égale S4. Ici est le milieu. Donc S1 plus S2 plus S2 plus S3 plus S3 plus S4 égale S1 plus S2, c'est 32. Plus S2 plus S3. S2 plus S3 égale 2 plus S3 égale 20 plus S3 plus S4 égale 16. Donc égale 68. Donc S1 plus DST plus DS3 plus S4 égale 68. S1 plus S4 plus D facteur ST plus S3 égale 68. S1 plus S4, c'est la surface manquante. S1 plus S4 plus SD plus S3, c'est cette surface, donc égale 20, D fois 20, égale 68. Donc S1 plus S4 égale 68 moins 40, donc égale 28. Donc les surfaces manquantes égale 28 centimètres au carré. 28 centimètres au carré. S1 plus S2 égale 28 centimètres au carré. Voilà les résultats des surfaces manquantes.